moitié là. Florent Étienne, déjà le mec, rien qu'à sa photo, ça m'insupporte. Mais d'une façon, le type a chié avec sa photo politiquement correcte à la con, avec sa gonzesse. Qu'on a marre de voir sa gueule, bah imagine avec sa gueule de con, comment tu veux pas avoir marre aussi. Mais qu'il supporte par compassion là, c'est bon, ça y est. Dire Desmex flamand, c'est la pire raciste. Comme c'est dommage. Ah oui, les flamands, je te confirme. Je les aime pas. Où est le problème? Mon chéri. Je te jure. Ayman, je te jure, ferme ta gueule en fait, Ayman, de mon zouk avec ta biche de merde. Je te l'ai déjà dit, bouffe-la, enterre-la, parce que tu veux ta biche de merde, que j'en ai rien à secouer, mon ref. Il fait pas chaud avec cette couette. Non. J'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, ferme ta gueule. Merci d'avance. Wassalam. Quelle est ta couleur préférée? Ici, j'irais le bleu. Ta meuf a beaucoup pleuré. T'aurais dû la tuer avec la biche. Une pierre de coup, comme ça, deux biches. Enfin, plutôt, une biche et une bitch auraient été éliminées. Ouh, ça aurait fait bon. C'est pas bleu turquoise, hein. C'est des malades, ceux-là. J'ai faim, j'ai de bouffer. Non, non, pff, les types là qui mordent, qui mangent, non, ça irait quoi. Maintenant que je sais. Ah! J'avais oublié ça. Merci pour cette information, mes chéris. Que vous avez dévoilé le secret des types. Que quand ils mordent, en fait, apparemment, toi, des animaux, hein, à tous les points de vue. En fait, c'est pour dire qu'ils nous aiment, ils osent pas le dire. Oh, mes pauvres chéris. Je sais votre secret. Comme c'est regrettable.
J'avais oublié cette anecdote, c'est vrai. Excellent. Tu montes vraiment ton bien sûr. Ça fait une tournante toutes les heures, tu savais pas, mon chéri. Oh là là, ça doit vraiment être dur, franchement, d'être un type. Vous n'avez aucun avantage. Vous êtes tellement des frustrés. Au moindre petit truc, vous êtes fâchés. Les pauvres petits. Vous avez besoin sans arrêt qu'on vous fasse des bisous, des câlins, parce que vous êtes en manque d'attention. Oh, mes pauvres, pauvres petits. La flemme de lire toutes ces conneries. La vérité. Elle marque ça pour les vues, non? Même pas. C'est ça le pire. Ton boubou, c'était de nier quelque chose que tu voulais faire car tu disais non et ton corps oui. À un moment donné, à force de dire non, le corps bug, tu vois. Il en a tellement eu marre qu'il dit oui. Ah oui, c'est possible. Effectivement. Mais autrement, non. Si c'est un non, c'est non, en fait, imbécile. Heureusement que tu existes pour les rendre plus joyeux et aimants. Je te jure. Pourquoi on ne voit jamais ta tête? Parce qu'il faut être là au bon moment. Moi, je suis père de famille, mais divorcée. Je vous dirai jamais autant que ça ne sert à rien de se marier, voilà. Tu attires grave les abrutis, je te jure. Attends, 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 attends. C'est qui? T'es qui? Hawk and Nike Lover, t'es qui? Je veux savoir t'es qui maintenant. Autrement, tu serais bloqué. C'est chelou. Bah oui, t'as raté, je les montre toutes les heures. Surtout que les tétons, tu peux les montrer. Puisque apparemment, TikTok tolère les tétons. Apparemment, dire la vérité est plus grave que montrer ses seins. Donc, voilà. Oui, c'est vrai, je sais même plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est du faux. Oh, j'ai mal partout.
J'ai mal à la nuque. Oh. MDR, j'ai plus confiance, aucun type. C'est mort d'avance. Déjà, c'est des foutaises parce qu'un type aura toujours des arrière-pensées. Dans tous les cas, tu peux être sûr, à moins qu'il soit pédé. Mais soit, il aura toujours des arrière-pensées quoi qu'il arrive. Mais il y en a qui les gardent pour eux. Et voilà. Mais c'est de la foutaise. Oui, mais Maline. La Maline, là, avec les deux cœurs. Hein. Vraiment, quoi. C'est cœur, cœur. Hier, déjà, j'étais habillée. Pour commencer. C'est pour ça, la fonction de ça, du B au carré, que c'est beaucoup plus simple de montrer ma tête. Et je monte ma tête quand je m'encontre fou. Quand j'arrive pas à dormir, comme hier. Tout simplement. Pourquoi t'as plus confiance? Pourquoi j'ai plus confiance? Je ne sais même pas par quoi commencer en fait. Entre les types et leurs super amis qui ramènent avec eux. Qui savent bien que le type t'aime bien toi et que au moment où leur cher pote, comme ils disent, seront partis pour même pas 2 minutes ou pour chercher un truc au paquet, n'hésiteront pas à faire, à essayer de faire des bisous, à te prendre par la main. Non, les types, non, vous êtes trop faux. C'est comme ça, je peux plus. Je peux plus les encadrer, les voir. Soit il y a plein de choses. On n'est pas tous pareils ici, en fait. Ah non, à ce que j'entends, et des gens après un jour, attends, votre copine, après même pas un jour, elle pue grave le poisson. C'est pas normal, parce qu'il y a des gens qui disaient, oh mon Dieu, elle rentre sans même se laver. Désolée de pas puer comme vous, la mort, que moi, quand même, après quand même 3 jours, là, je à sentir, quoi. Mais non, après une soirée comme ça, je sens encore la rose, si vous voulez savoir. Même après la soirée que j'ai eue. Donc dites-vous, mes chéris, qu'après un jour que votre copine a comme une petite odeur sympathique, c'est que voilà. T'étais bien hier soir. Me rappelle pas de ce truc avant que je pète un câble. Parce que les mecs de son âge sont des charrons. Je sais pas. Non, ça veut rien dire. Les vieux seront même encore pires, si tu veux savoir, donc...
C'est vrai, ton petit pavant. Déjà, pour commencer, en fait, je n'ai jamais eu de type, en fait, pour commencer. Juste un mini détail. Enfin, mini. Donc voilà quoi. Te prends pas la tête. Non. Tu t'es fait sauter comme une poupée alors. À vous de me le dire. Le live était 24 heures sur 24. En live. Le type, il est très fort. Très fort. Juste pour me faire chier. Ou je sais pas, ou parce que c'est peut-être un fanatique de bisous. Il avait horreur que je fasse des lives. Hein. Il voulait que je coupe sans arrêt, ça l'énervait. Il s'engueulait avec des types et tout. Mais la condition, c'est qu'il n'essayait pas de me faire des bisous pendant 10 minutes. Il n'a jamais réussi. Donc oui, le live était sans arrêt. Effectivement. Même ça, il savait pas faire réussir à faire 10 minutes. 10 minutes, wesh. On dirait, je demande... Donc, non, je ne me suis pas fait sauter du tout, en fait. Très, très drôle. Ah non, ça j'ai toujours dit que j'avais une mise en scène pour les types, pour être sûre. Je vais trouver une couille. Qu'est-ce que j'allais dire? J'arrivais devant leur voiture, j'allais dire quoi? Pour que les trois mecs là veuillent bien que je monte en voiture. Dire qu'il y a un type bizarre qui me suit, j'avais pas chaud. En plus, j'avais tellement froid. Rien que d'y penser, j'ai trouvé la première voiture le plus vite. Parce qu'en fait, il y avait la serveuse qui était là, ce putain de café de merde. Que toute l'histoire, ça a commencé là. Elle m'a prêté sa veste et tout. Mais quand elle est partie, moi, j'ai crevé de froid. Donc, j'ai trouvé une solution et il n'y a pas d'autre solution que partir de ce café. T'as bisouté, essayé plutôt, en fait. Bonjour, il a continué à te téléphoner sans blague. Je m'en fous. Et mon numéro. C'était trop risqué de pas le donner. Imagine, j'aurais donné un faux numéro. Surtout que juste après, le mec a appelé directement. Il sera aperçu de ça. Il aurait dit quoi? Alors, tu te fous de ma gueule. Oh, tu dis c'est ton numéro. Imagine, il m'aurait même pas redéposé tout ça pour rien. Je ne pouvais pas prendre de risque. Pas dans cet état où j'étais tellement en chaos. Tant pis, il m'appellera sans arrêt. Ça fait que ça me casse les. Tant pis. Je sais pas, c'est après, hein, de toute façon.
Tu le bloques. Ouais, mais tu connais pas les riffs, c'est des malades. Il va rappeler sur un autre numéro, faire des faux comptes jusqu'à t'entendre. Ils sont persistants, t'inquiète. Oublie, je suis pas dans la merde. Et ça veut dire quoi cette connerie? J'ai pas compris là. Attends, si tu la vois en vrai, tu dirais le contraire. Hein? Qu'est-ce que tu baffes toi? Faut que tu me montres quoi en vrai, je sais pas, je sais plus. Je crois c'était 1 milliard d'euros, quoi, blanche? Que je montrais mon téton gauche, ça, ou je sais plus, c'était rose noir, je sais plus. La couleur que vous voulez, c'est. En fait, vous savez quoi? La couleur même que vous voulez. On va changer. 1 milliard de roses, la couleur que vous voulez. À part les roses, évidemment. Voilà. Plus simple. Qui est là, le pape? T'as réussi à dormir même pas. C'est trop tard, les gars. Elle a montré même plus que son téton. Fallait être là, MDR. Mais oui, évidemment, of course. C'est d'une logique. Bah oui, je montre tout, hein. Ça varie. Des fois, c'est le pied. Des fois, c'est l'orteil. Ça varie. On est ouvert d'esprit. Tu voulais dire quoi quand tu disais si tu la verrais en je sais pas quoi là? Tu voulais insinuer quoi là? J'ai pas compris. Si tu la vois en vrai, tu dirais le contraire à Pierre GM. T'as envoyé ça à Net and Fun là. Pourquoi t'as. Comment ça? J'ai pas compris là. Non mais en fait, comment te dire que. Normalement, je dois faire des millions de trucs. Mais je ne peux pas, je n'arrive pas en fait. Je suis trop KO en fait. Désolée, hein. Désolée, smach les beaux gosses. C'est pas question de la déprime, c'est que je suis littéralement KO, bande d'attardés que vous êtes. Salut, t'es bien rentré ce soir, il fallait être là.
Désolée, je préfère le droit, comme c'est regrettable. T'es pas normal, mais si, mon chéri. Ça va, une petite folie de temps en temps, c'est qu'un téton, non? Y a pire, hein, y a pire. De toute façon, ça va. Moi, je dis que ça va, on a le temps. Hein. Avant déjà qu'il y ait une rose blanche, bonne chance. Mais c'est quand même un risque, c'est quand même un risque. Mais 1 milliard, ça va, Hassan, ça va. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces gens, c'est affolant, je suis de ma mère. Ah là là, je suis morte, voilà. Oh putain. Il disait que ta voix lui donne envie de te faire du sale. Et pourquoi, quand t'as dit, tu la verrais en vrai, tu dirais bah ça du coup. Ok, oui, j'ai compris que le type a dit qu'il va faire du sale, mais pourquoi t'as dit tu la verras en vrai, je sais pas quoi là. Elle fait exprès pour que tous les hommes parlent avec elle. Désolée, ma chérie, je n'ai pas besoin de rendre intéressante comme toi ou de montrer tes atouts. Enfin, tes atouts. Si on a en fait pour parler avec des hommes. En fait, et non, je ne recherche pas du tout à parler avec des hommes. Alors là. Mais en fait, parler avec des hommes de loin, ça va. Parce que, au final, tu les verras jamais. Ils peuvent juste parler et tu n'entends même pas leur voix, donc ça va. Mais c'est les voir en vrai que ça, non, non. D'une prise universelle, moi. Peut-être, mais j'étais pas au courant. Arrête de tripoter sous ta couette. Comment te dire? Vous allez comprendre que quand putain de votre race, que vous. C'est tellement des pervers, vous avez besoin de vous prendre toutes les minutes. Nous, on fait pas ça en fait. On n'est pas des pervers comme vous. Quand vous aurez compris ça, ce sera un bon début. Portail to Mirth. Merci d'avance. Car je pense que tu lui ferais regretter. Regretter quoi? J'ai pas compris là. Soit, j'essaie même plus de comprendre en fait. Ça a l'air pas très intéressant en plus. C'est parce que j'ai pas endormi, espèce d'attardé mental. Le black là. Le ahzé, si tu préfères. Ah, merde. Merci d'avance. Espèce de crevard, de chien de la case. Celui-là en haut, là, qui veut des cadeaux. C'est. Et c'est qui cet homme de Cro-Magnon juste en dessous, grelat, poilu? Il a l'air perdu. Dites-nous, vous êtes réveillés? Non, c'est une musique à chier.
Non, merci. Mais t'as pas dormi, mais non, sans blague. Non, mais c'est quoi le titre de ton live, wesh? Ah, maintenant la nouvelle génération vide ma mère qui sont trop drôles. Que ça fait les plus grosses putes, machin. Avec des phrases à vomir, genre ils se lancent du lait dessus. Je sais même pas. Mais attends. Oh là, ils sont choqués pour un téton. Non, mais wesh, c'est quoi ce titre? Mais c'est quand même le pire but contre son quand au monde, en fait, c'est quand même c'est surréaliste, quoi. C'est à mourir de fou rire. Oh, j'ai mal à la tête. Oh, Seigneur, c'est pas possible. Oh. Et défoule-toi bien, d'accord. Okay. Qui donc a été gentil? Que je rigole. Regardez-moi ces gens tellement des malheureux. Ces gens vifs pour les avis des gens. Genre, oh mon Dieu, 100 personnes qui sont parties en 2 minutes. Hein. Et qu'est-ce que je m'en branle en fait? Moi, je suis pas comme toi que ça t'affecte. Moi, j'en ai, mais strictement, rien à foutre. D'ailleurs, ceux qui restent sont des grands malades, puisque je les insulte, je ne vois pas l'intérêt de rester sur mes lives. D'ailleurs, je ne veux pas de gens sur mes lives, je veux maximum 13 personnes, donc. Je sais pas, dans la nuit, elle était dans une voiture d'inconnu. Non, quand même. Les premiers, je les connaissais, quand même. Quand même. C'est les autres, oui. À un moment donné, t'as pas le choix. T'as pas le choix. J'ai pris la première voiture que j'ai vue. Pour vous dire, je savais même pas qu'il y avait dedans. Rien à carrer. Qu'il soit moche. Même dans la voiture, ça puait. Je m'en foutais, je suis quand même restée. Mais c'était pas une Audi. J'en ai rien à foutre. Je voulais juste rentrer au plus vite, en fait. C'est juste ça, le délire. Il n'y avait pas de solution. J'avais pas d'argent. J'allais sûrement, mais sûrement pas rappeler l'autre pour qu'il vienne. C'était même pas envisageable. Et je préfère encore me tirer une balle. Donc, voilà. Les gars qui t'ont accueilli dans la voiture, et alors? Tu es trop belle, une belle fille. Tu prends quoi comme traitement? Si tu continues à insulter, je vais aussi devoir partir. Ok. Alex. Zoba. Nyama. Tête de con. Calvitie précoce. Abruti.
Chien de la casse. Et ainsi de suite. On s'en branle, mais un point que tu peux pas t'imaginer, frère. De quelle ville tu nous dis un bisou, espèce de vieux con, retardé mentalement. Il faut vraiment être un con ou un politiquement correct à la con. Je vois bien le type droit comme ça. Bonjour, je vous donne des bises de la Guadeloupe. Oh, Seigneur, je peux pas me saquer ces gens. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Zoba, voilà. Ni à Mastre. Et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? C'est quelle taille ce qui est par terre? La salade. Lol, t'as quel âge? L'âge de mon zouk, ça va? L'âge de... Non. Pourquoi elle a fait quoi en live? Parce que je voudrais bien savoir aussi. Tu m'inquiètes là, putain. T'es saoul ou quoi? Non. Oh, j'en ai marre, je te jure. J'ai mal partout. Quand je pense que si j'aurais pu rester chez ma copine, elle m'aurait fait un massage et tout. Franchement, les filles turques... Enfin, j'en sais rien, parce que ma copine est comme ça. Ils sont magnifiques pour faire des massages. Pour nettoyer... Nettoie en 2 secondes. Parfait. Mal partout, doucement, la levrette. Mais comment vous dire que... En fait, de toute la soirée, à part quand j'étais chez ma copine, j'étais en live avec vous. Donc croyez bien que si, comme vous dites, j'étais en levrette, vous l'aurez vu ou entendu. Et en fait, il n'y a rien de tout ça, en fait. Parce que j'étais en live non-stop, en fait. Je n'avais pas le choix. Parce qu'ils ne respectaient pas ma règle. Donc voilà. Mais à quel moment il m'aurait défoncé, en fait, c'est juste ça le délire, parce que voilà quoi. Ce Ben, il a baisé là, Nikomouk. Ça doit être d'honneur là-dessus, je vais mettre dans tout. Montolo-vous. Elle a raison, on l'a juste vu pisser. J'en pouvais plus.
Vous m'avez pas vu pisser, vous avez peut-être entendu. Waouh! Et alors? Redescendez, hein. Tu n'étais pas saoul, juste froid et fatigué. Non, mais avec les types, je suis toujours distante en fait. Je t'explique, les types je peux plus me les encadrer, ils me dégoûtent. Ah non, je peux pas. Je te jure, je peux pas, ils me saoulent trop. C'est pas question que je suis froide, je suis comme ça avec tous les types. Depuis peu de temps, je suis comme ça. Que voulez-vous? Ils m'ont trop saoulé, je te jure, vie de ma mère. Tu parles bien en arabe, toi, hein? Sans blague. Mais moi, je me fais prendre de nulle part. En fait, déjà, je sais pas à quel moment déjà je me serais fait prendre parce que. Ou ça. Parce que même quand on était en voiture, il avait fait exprès de ramener son pote pour me faire chier. Parce qu'il avait encore la haine de moi. Dans le café, je sais pas quel moment je me serais. Donc, à quel moment, parce que. Donc voilà quoi. Et tu faisais quoi dans la voiture? Pff, quelle question, est-ce que j'avais le choix? J'avais pas le choix en fait de rentrer avec lui. Déjà, j'ai pas compris comment ça se fait que ma copine en avait appelé lui. C'était vraiment la dernière personne que je voulais revoir. Je ne sais pas du pourquoi, du comment, ça, j'en sais rien. En tout cas, moi, ma copine voulait juste rentrer chez moi de base. Mais ils m'ont fait chier jusqu'au bout. Ils ont dit, tu veux rentrer? Mais non, on ira boire un verre avant. Et on prendra aussi des ballons. Tout ça pour me faire chier parce que je voulais rentrer. Et donc, de base, en fait, il devait juste me déposer. Hein. Enfin, il devait pas venir avec son pote, en fait. De base. De base. Donc voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Always alright. Je vais même pas boire ce verre. Dites-vous que c'est tellement qu'il faisait chier les gens à dire « T'es sûr que tu veux rien boire? » et redemander encore après. Ça va? Ça me saoule en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il te gêne son pote, sans blague. MDR. C'est à cause de lui en plus. Enfin non, c'est même pas de sa faute. C'était à lui de lui dire de plus essayer de me faire des bisous ou de me prendre la main et tout. En fait, ça n'a rien à voir. Son pauvre pote, c'est de lui en fait. Au final. Vous êtes marié ou célibataire? Quelle question! Je suis en train d'y penser un truc, je te jure.
On t'a forcé la main, en fait. Comment ça? Pourquoi t'es pas rentré à pied? À pied? De Molenbeek? À pied? De Molenbeek? Très drôle. Jusqu'à chez moi. Moi, déjà, je peux pas marcher 1 km, c'est mort. Et en plus, à Molenbeek, en short? Oui, c'est en fait pour me faire tuer directement, pour me faire kidnapper, quoi. Et en plus, j'avais tellement froid. Moi, de base, en fait, tu vois, j'avais pas prévu que j'allais rester dehors, en fait. Tout ça n'était pas prévu. Ma copine, on devait rester vite fait, faire une partie de poker, boire un verre. Et en fait, elle devait me redéposer, en fait, tu vois. Comprende? Mais elle pouvait pas, elle était trop à l'ouest, en fait. Mais nous, ils sont pas venus chez moi, ils sont venus me chercher en bas de chez ma copine, oh. Et en plus, c'est vrai que j'avais oublié, ça c'est quelqu'un qui m'avait rappelé ça, l'histoire, le type du restaurant là. Je rêve, quoi. Comment tu veux encore que j'aie confiance au type? Genre le mec au début vient, Mademoiselle, restez pas là. Parce qu'il voyait que toutes les minutes, un type s'arrêtait. Bonjour mademoiselle, là. Et tu vas où comme ça, Miss Cheveux lisses de merde? Le type, il propose son restaurant gentiment pour attendre que mon ami arrive. La meilleure, ça, celui-là, lui, puis fait des crises de jalousie. Il m'arrache mon téléphone parce qu'il voit un message. Le type, là, du restaurant, là. Qui essaye aussi, en plus, de me faire un bisou. Mais là, c'est quand même je crois que je rêve, en fait. Il valait pas mieux que... Je préfère encore rester dehors, au final. C'est oublié. Rien ne s'est passé comme prévu. Pour vous dire, voilà. Donc, le type, il y a pas... Y a plus, il n'y a pas de confiance, c'est mort. Bah quand, de base, non, c'était avec un mec en fait qui devait venir me déposer, mais il a fait exprès de ramener son pote déjà. Et après, le type du restaurant voulait pas partir, me laisser partir. La meilleure, quoi. Je crois que je rêvais, en fait. C'était pas possible. Surréaliste. C'est un rat d'égout, le type. Non, c'est juste que c'est un type, c'est comme ça. C'est toujours comme ça, toujours, toujours.